Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Payday 2. Je suis en compagnie d'épée. Donc, vous étiez pas mal à me demander quand est-ce que j'allais refaire un Payday 2. Donc là, bah, j'en suis actuellement à refaire un Payday 2. Sur un contrat 4 magasins en désir de mort. Donc si je foire, je suis dans la merde. Bien sûr, je joue avec les IA parce que si je suis dans la merde, évidemment... Je suis pas prêt de rester longtemps. Alors, la furtivité est possible, mais... Ah oui, je suis silencieux. Ouais, c'est cool ta vie. Du coup, on est en train de faire notre petite partie. Lui, il est en train de me gueuler dans les oreilles, ce con. J'ai réinstallé le jeu il n'y a pas très longtemps, du fait que j'ai mis tout sous SSD. Ça va tellement rapidement maintenant. YOLO, bonjour, vous êtes moche, oui, eh bah merde. Oui, parce que d'habitude, il y a un truc qui est là, et là, il n'est pas. Donc, je suis obligé d'aller chercher ailleurs un coffre qui pourrait être très utile. Hashtag bonjour, il y a le truc, il y a la caméra, c'est pas cool. Il y a le flic, et il y a le coffre. Mais il y a la gonzesse. Salut le flic. Ah oui, en même temps, il va là, lui. Ah, en plus, il y a une caméra. Et il y a le flic. Ah, oh, sinon, je pourrais faire par là. Hashtag bonjour. Caméra, j'aime pas trop. Et il n'y a pas de coffre. What? Mais il est passé où? Ah, bonjour. Ça pourrait être une chance de la voir. Ça pourrait, hein. Où est-ce qu'il va? Par contre, la gonzesse, elle est où? Bon, je vais essayer. Déjà, je vais récupérer ça. Thanks. Je vais crocheter la serrure. Shut up and get down. Get down on the ground. Get down. Every hostage you take slows the cops down. Wouge. Oh putain, pétasse. Comment faire? Parce que tu vois, madame la péta... Ok, baisse-toi, je t'en prie. Je dirai pas le contraire. Oh putain, t'es pas sérieux. Wow, that must be full of valuables. I can understand why Vlad wants this business money. Oh, t'es sérieux, je peux crocheter là-bas. Ouf. Il va arriver là-bas dans le coin, donc si tout se passe bien, je peux crocheter tranquillement. J'ai bien dit que si, bien sûr, tout se passe bien. Des fois, j'ai peur qu'ils repartent là-bas. Oh bah ça va. Bon bah voilà. Je suis un petit peu tranquille là pour l'instant. Bonjour. Je ne fais que crocheter, ne vous inquiétez pas. Hein. Oh, il est bien, il est bon. Hashtag bonjour, eh ben j'ai plus qu'à attendre. Alors, j'espère juste c'est ce qui va arriver là. Alors, voilà, c'est dans les missions là, bon, c'est un peu chaud parce que vu le coffre où qu'il était, j'aurais pu me faire griller. Mais actuellement, ça va. Alors, j'espère juste que le
Fourgon vient ici, en face de moi. S'il vient là, je suis tranquille. Par contre, s'il vient de l'autre côté, j'ai peur de pas la faire notamment trop en silence. Malgré que, même s'il venait par exemple derrière moi dans la porte là, je pourrais limite courir, ouvrir la porte, me barrer. Et ça pourrait compter comme stealth complet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, là c'est juste à attendre un putain de fourgon qui craint. Donc j'attends. YOLO. En même temps, c'est généralement ce genre de mission. Peut-être que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais qui est pas mal quand tout est fait silencieusement. Et encore, j'ai eu de la chance que le coffre soit là et pas dans la cabine derrière. Hein. Parce que je serais un peu dans la mouise. Sans trop dire dans la merde. Oui, je connais la musique par cœur. Bon, c'est quand tu veux. Il va me dire 30 secondes après. Je sens gros comme une patate. Je regarde toujours s'il n'y a pas de monde là-bas. Et j'ai encore eu de la chance de pouvoir d'avoir pu me noter la pétasse qui est derrière là. Hein. Puis les bugs de collision avec les murs parce que. Sinon j'aurais été obligé de péter la vitre. Et encore heureux qu'il n'y ait pas des personnes qui aillent la voir, lui dire hey coucou, tu veux un café? Non. Bah j'attends. Je fixe ça en fait. Là de la. Get down. Ok. Bon. Stay still. C'était pas prévu du tout. Ta gueule. Shut up and get down. Bon bah. Sorry man. Sorry. Bah du coup j'attends le fourgon. Il y a déjà les flics, c'est pas bon. J'espère qu'il va se manier hein, parce que s'il se manie pas. C'est qu'ils sont déjà arrivés. Je n'aime pas trop qu'ils soient déjà là. La la li la li la l'air. Nanani nananère, je suis dans la merde jusqu'au. Eh, doucement sur les balles. Avant qu'il y ait la charge, bonjour, je fais que de passer. Entreprise de nettoyage. Voilà, c'est. De toute façon, ça aurait quand même arrivé ici. Faut pas que l'assaut commence, sinon il va se barrer. Je crois qu'il serait déjà barré. YOLO! Voilà. Vous avez trouvé des colis? Oui. Succès! Oui. Mais est-ce qu'il faut pas s'échapper? Ça va être autre chose. Ah non, bah c'est bon. Parce que j'ai fait le contrat avant, donc ok. Bah c'est plutôt pas mal. Ça m'évite de tout faire! Ah, j'aurais pu mettre une tête en fait, mais YOLO. Voilà, qu'est-ce que je vais avoir comme carte magique. Ok, de la merde. Fermeture reçue. Ouah, c'est cool ta vie. Bon, je vais en rechercher. Je le disais, je vais en rechercher une autre. Dès que je trouve, on se reprend là. Et on se retrouve juste après, donc j'ai fait une petite recherche, hein, donc ça dure un petit peu longtemps. Actuellement, nous sommes dans Raid de l'Ombre, mais pourquoi Raid de l'Ombre? C'est tout simplement point de dépôt sur pointeur, je le prends au cas où. Thermal Pass, non, Getter, oui. Le Getter, ça me dit toujours bien. Alors, cette mission-là, il faut rester discret. Absolument, toi ferme ta gueule. Puisque cette mission, si vous vous faites repérer, vous avez une minute pour vous échapper avec les sacs. J'ai bien dit avec. Parce que vous pouvez pas vous barrer sans les sacs.
C'est une opération. Hey, yo, hop. Bah, y'a un garde sur le toit déjà. On va passer par là, passer Madielo. J'hésitais le buter. Thanks. Se disant que s'il y en a un qui arrivait, hey. Comme lui quoi. Hey. Oh. Oh merde. Hey. N'étais pas sérieux. Shit. T'es sérieux? Y'a les deux qui sont là, quoi. Hey. En mode coucou, je suis là, ça vous dérange? Oui, ça me dérange un peu, vois-tu. Pourquoi il m'a mis sur 25 frames, Fraps? Pourtant, j'ai demandé 60 pour ça, mais c'est pas grave. Hey. Bon, lui, il revient, c'est plutôt bien. Bien. Shit! It's all good. Had a spider incident. It's over now. Alors, vous voyez, il y a le garde qui est là, mais il pourrait y en avoir un dans mon fion. Mais en mode yolo, je vais prendre ce qu'il faut. De toute façon, je vais le descendre, lui, parce qu'il va me déranger. Look. Everything's fine, no visuals. Mais alors, tu dors mon petit? C'est bien, dors. Surtout ne pas se déconnecter pendant l'appel parce que vous êtes dans la merde sinon. Un tout point de vue. Alors, il y a... On peut en voler 5 comme on peut en voler tout. Attendez, avant de faire ça, je vais voir si... Alors déjà, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Donc je pourrais vous balancer les sacs. Comme je pourrais balancer les sacs dans l'eau plus tard en fait. Bouffe. Alors, les sacs là, ils peuvent les voir quand même s'ils s'approchent vraiment de dessus. Hein. Ah, bien jeter les sacs. Voilà. Alors, des fois, quand il y a un mec qui est ici, il peut voir les sacs, mais entre. Comment? Pas entre crochets, entre. Bah, le voir d'un petit clin d'œil, coin d'œil. Là, déjà, pied de biche, ça c'est intéressant. Voilà, je peux pas voler ce qu'il y a là, parce qu'il n'y a pas de serveur. Là non plus. Je savais bien que j'avais vu quelqu'un. Oh. Moi j'ai vu une lumière. Je sais que j'ai vu une lumière. Ah oui, d'accord. Du coup, il descend. Ah. Oh putain. J'aurais pu attendre qu'il monte sur le toit. Hein.
You could send down a few beers. Par contre, je sais plus combien j'ai de sacs. Ah merde. Oups. Là, c'est un petit peu stupide. C'est un peu stupide, oui et non, mais ça me ferait chier pour les sacs en fait. J'espère juste qu'il n'y aura pas de civils ou quoi que ce soit dans le coin, c'est sûr. Oh merde, j'ai oublié ce truc là. J'ai oublié ce truc là. Les gardes du toit là-haut. Et comme ils vont descendre, parce que je sais qu'ils vont descendre puisque c'est des connards pas finis, ben je vais l'avoir dans le cul. Ou à moins qu'ils sont en mode coucou, je suis content. Et ils vont pas me voir, donc ils vont rester sur le toit et ça peut m'arranger. J'ai bien dit ça peut. Hein. Alors, vous voyez, s'il y avait 5 sacs là actuellement, je serais super content. Malheureusement, je pense pas qu'il y aurait les 5 sacs. Et lui, il va se bouger. Il va répondre, lui aussi. Et je sens que je vais me faire baiser. Et bah oui. Put him up! Get him up! Oui, c'est bien, voilà. YOLO. Oh. Sac d'or. Voilà, 30 secondes, j'aurai même pas le temps, hein. Donc attrape-moi ce... Oh cool, on peut passer par là. Je savais pas qu'on pouvait. Ouais, mais on peut pas remonter. C'est ce que je disais. Voilà. Là, pourquoi quand je dis que ça m'énerve des fois, c'est l'émission, bah tu vois, parce que t'as plus de sacs. Avant, dans les anciennes versions, t'avais 5 sacs, ou 4 sacs, et là t'en as que 2. Et si tu veux prendre le truc, bah il faut que tu prennes l'extension d'avoir 2 sacs supplémentaires, donc il faudrait que tu reviennes au début, pour aller rechercher 2 sacs, puis revenir. Donc entre temps, t'as le temps que les autres le voient au sol. En mode coucou, je suis là. Mais fuck it. On va recommencer. Si ça fonctionne pas, bah ça arrêtera là. Si ça fonctionne, on continue. Juste qu'il faut quoi. Dépôt de butin supplémentaire si tu veux. Un petit guetteur, ça peut être pas mal. J'ai pris un petit peu près tout, sauf Thermal Pass, parce que c'est de passer par les égouts, moi je m'en fous un peu. Bah y est, là j'ai 2 sacs supplémentaires, ou 4. Mais je peux répondre qu'à Cat Badger, le 5ème, ça fout la merde. Now let's get rich. Ou avant c'était, on répondait à Cat Badger, on pouvait mettre le 5ème au sol sans répondre. Et ça c'était bien parce qu'il était... En fait, il était vivant, donc c'est pas comme s'il était considéré mort. S'il était considéré mort, oui, bah oui, je comprends qu'on doit répondre au badger. Mais là, ça sert absolument à rien du fait qu'il était encore vivant. Y'a deux mecs du coup. Y'a deux mecs du coup. Donc je pense que je vais attendre qu'ils
qui montent tous. Shit. Hey. Il a pas l'air de monter l'autre en même temps. C'est moi ou l'a tiré? Je verrai dans le record, mais je crois qu'il a tiré. Il a tiré, ça a rien fait. C'est ça que je. Des fois, je comprends pas. C'est pas grave. Ou c'est moi qui a fait un écho avec mon arme. Écho, écho, écho. Bon, ça va, il est pas là, le mec. Oh bah, lui, il est là. Putain, son arme, elle a volé. Merci pour les cartes. I can't hear anything you're saying, but everything's fine. Alors lui, je vais pas non plus le laisser sur le toit, hein. Je suis pas en mode fou complet. Je pense que avant de descendre, je vais aller rechercher deux autres bagues pour être vraiment sûr, parce que j'ai pas envie de la foirer celle-ci. En même temps, c'est compréhensible, quoi. Voilà. Bon, l'avantage c'est que la grille est fermée, donc du coup, me voient encore moins. Hop, un sac, deux sacs. Est-ce que je peux en prendre plus? Non. Voilà, c'est deux sacs maximum, donc à chaque fois si je. Vous voyez là, je suis pas descendu, l'écho ne vient pas. Quand je vais descendre, je vais ramener un sac par exemple, va y avoir un écho. Donc ça c'est un peu mal foutu, c'est en fonction de là où t'es un écho carré. C'est un peu mal foutu, parce que normalement ça serait avec le temps. Hein. J'avais peur. A nice stash of used dinars. Good find. Il va y avoir sans doute l'hélico. Putain, elle est où le truc pour l'échelle? Ah oui, c'est le truc en bas. Hey. Oh putain. Je sais pas où est-ce qu'il va lui, donc c'est pour ça que j'attends un peu. Shit. Je sais pas, j'attends beaucoup ou j'attends pas. Hey. Je vais voir. Est-ce qu'il va se bouger par contre? C'est ça le truc. Est-ce qu'il reste pas fixe comme un con en train de. Ah, je me fais chier. Hey. Oh, en plus, il y a ça à ouvrir. Est-ce qu'il y a le pied de biche? Il y a le pied de biche. Hélico. I'll be damned. That's an original Gustav. Ah, y a pas d'échelle. Mon Dieu. Hey. Y a pas d'échelle.
La saleté. Bon, en tout cas, lui, il reste planté là. Donc, c'est plutôt un bon point. Un bon point. Ouais, on va dire ça. Hey. Par contre, il reste là-haut. Hein. Il reste là, lui. Mais je me demande où est-ce qu'ils vont, les autres. Putain, 25 frames, ça... 20 frames. What? Ok, j'ai deux écrans qui sont allumés, mais quand même. Je comprends pas. C'est sur BF, je tourne un plus, mais... Ouais. Peut-être que j'ai modifié aussi le pack, donc... Bon, par contre, les papers, ils veulent descendre là-haut ou pas? Parce que j'ai quand même des sacs à remonter. Et sans doute ils sont coincés là-haut, ou voire ils sont même pas coincés du tout, ils attendent. En mode coucou, je suis un connard donc j'attends. Hey. Bon, si je la foire, c'est votre faute, hein. Voilà. Attends, t'es sérieux, y'a personne? T'es sérieux, y'a personne? Oh. Ah bon. Shit. Bah si, y'a personne. YOLO. Hey. On va prendre le paquet de fric, hein. Trois mètres, c'est loin. Sérieusement, il y a personne. Oh, il y a deux côtés. Ah ouais. Ça rigole pas. Ouais, un peu dangereux pour passer ici en fait. C'est d'habitude une autre tyrolienne ici, et puis là il y en a pas donc. J'ai pas intérêt de la foirer celle-là. Bah pas intérêt. On va voir. On va voir. On a le temps en plus. Lui de toute façon je serais obligé de le défoncer. Donc, que ce soit maintenant ou après. Je le défoncerai quand même. Aïe. Hop. On va y aller tranquillement. Voilà. Je pense que si on sécurise l'accès aux caméras, déjà, comme on a un pied de biche et s'il y a des trucs dans le coin, on peut les enlever. Si on en a 5, c'est simple. Soit on va en mode... ok. On va en mode YOLO, ça veut dire qu'on y va et on va chercher des caisses pour être tranquille. Pour avoir du fric supplémentaire, hein, c'est juste ça. Ou... On garde notre sérénité et sécurité pour s'échapper avec les 5. Sachant qu'on a une minute, et si on est coincé à un moment... Voilà, on aura foutu une minute en l'air juste parce que j'ai voulu un sac supplémentaire. Mais dans la banque, il y a ce qu'on appelle l'artefact. L'artefact, c'est un objet qui coûte plusieurs centaines de milliers et qui est d'avoir un
Un truc bonus. Après, c'est facultatif, hein. C'est dans un coffre, c'est, disons, c'est juste pour le skill, récupérer tous les sacs. Et ça, vous avez comment ? Un petit point de vous disant « Coucou, j'ai tout récupéré, vous avez le symbole, l'objet, entre parenthèses, disant que vous avez tout, en fait. » Voilà. Mais par contre, faire cette map en overkill, désir de mort, YOLO, hein. Mais encore, j'ai eu la chance qu'il n'y avait pas de caméra. Je serais un petit peu dans la merde. Juste un peu. Bon, maintenant que j'ai bu tuer lui, ça va dépendre de si. Bah, s'il va y avoir une garde de. Une ronde de garde ou pas. C'est surtout ça le problème actuel maintenant. Nous en avons 3, donc ça veut dire qu'il en reste un seul à mettre à terre ou à répondre. Je préférerais plus le mettre le descendre complètement, d'y répondre, être tranquille. Mais ça veut dire que si le prochain me découvre, je serai 1 obligé de le buter, 2 je serai obligé de me barrer. Et ça, c'est un petit point que je risque de regretter si c'est le cas. Bah, de regretter, oui, non, mais... Disons, si je devais pas le faire, ça m'arrangerait. Alors ici c'est la salle des caméras. Ouais, c'est le dernier beeper que je peux répondre. Voilà. Check un petit coup comme ça, modulo. Ah. Pour taxer serveur. C'est très lourd ce truc, hein. Je préfère le dire, c'est quelque chose de très très lourd. Mais qui peut rapporter. Donc ça voudrait dire que j'en ai actuellement 4. Ça compte comme une pièce mètre. Putain, il saute comme un con. Je vais aller chercher un cinquième. Comme ça, après, je me barre et on va s'arrêter là. Parce que ça va faire, je pense, une bonne quarantaine de minutes. Déjà là il y en a 35 donc Ok, y'a rien. Y'a rien non plus. Hashtag connard. N'avais pas une autre carte dans le coin? Oh! I'm not gonna tell you.
this gets expensive. Ouais, je sais, merci, c'est ça. Oh. Good. Voilà, ça fait mes 5. Hop. Let's go. J'ai pas envie de la rater maintenant. Prendre le sac du serveur. Et vous avez vu, on met le serveur carrément dans le sac et on le balance. Hein. Coucou, je suis rembourré de tous les côtés. Par contre, il vous disait déposez-le tranquillement sans qu'il prenne de chute, sinon il est pété. Ah, j'aurais pas pu le passer par là. Ça, c'est sûr. Bon, bah ça va faire 3 plus 2, 5. On pourra se barrer. Voilà. Puis vu l'heure, je préfère se barrer en fait. One down. 150 000 serveurs. Quoi. Ouais, il y a des bons trucs dedans, on dirait. La coke et un tableau. D'accord, je balance plus loin le sac de coke que le tableau. Et le sac de coke est resté debout. Voilà. C'était pas beau tout ça? Tu. Et de 4. The bags in the car. Ah oui, j'aime dire parce qu'il reste à 3. What? Non, non, reste pas à 3. Mets-toi à 4. Voilà, c'est bien. Et il y a aussi l'échappatoire numéro qui est là-bas. Hein, pour mettre par exemple un autre sac s'il y en avait un tout près. Mais vu que je suis ici. On met ici, et vu que la sortie se trouve là également, autant y aller. Voilà. One down. Et on s'en va. Voilà. Comme ça, bon, on réussit à faire ceci. Bah voilà. Hein, on va dire que c'est bien fait. J'ai eu 5 têtes, 100%. Bon, tu es un civil par contre. Et je m'en fous. Parce qu'à la fin, l'XP est quand même là. Faut dire ce qui est. Malgré que c'était qu'une seule tête, il y a de l'XP. Allez, let's go. Oh, on va avoir quelque chose de bien ou pas? Eh bah oui, peut-être. Ok, je dis à Cargatasse. Molly! Sur ce, merci de m'avoir regardé et on se dit à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.